Et bonjour tout le monde, on se retrouve pour un nouveau vlog. J'ai décidé de revenir aujourd'hui un petit peu avec vous. Je sais que vous appréciez mes petites journées à la maison, tranquillou dans mes activités. Donc aujourd'hui, je vais vous emmener encore avec moi. J'aime beaucoup cet exercice, donc on continue. Aujourd'hui, on est donc mardi. Je filme dehors, on verra ce que ça donne ce matin. J'enregistre, il peut y avoir des voitures, il y a des travaux, donc... Donc voilà, j'espère que chez vous tout va bien. Non, c'est fait vraiment là, il y a eu 6 jours de pluie intense. Vraiment, il a plu non-stop, tous les jours. Et c'était pas pour me déplaire, franchement, ça a fait beaucoup, beaucoup de bien. Ça avait vraiment besoin de pluie. Et là, d'un coup, depuis hier, on est en été. Vraiment, ça y est, j'ai sorti les robes d'été, les sandales. Et ça y est, c'est parti, hein, en espérant qu'il fasse pas trop chaud ici. Comme je vous l'ai dit, j'appréhende beaucoup les fortes chaleurs, mais bon. Je pense que, je le vois déjà, je crois que la maison va être assez fraîche. Donc ça c'est un bon point, je pense que je vais fermer les volets et ça ira. Donc trop cool. Là on est le matin, il est encore très très tôt et je bois mon petit café. Il y a une voiture qui passe. J'ai installé un petit coin ici en attendant d'avoir nos meubles qui vont revenir de Nice. Mais j'ai mis un petit banc avec une petite table, c'est très sympa ce petit coin. Et donc ce matin, qu'est-ce qui est prévu? Je vais coudre une robe. Je vous montrerai après, on va aller à l'atelier. Je vais essayer de me coudre une robe portefeuille. J'ai déjà coupé hier le tissu. Donc voilà, je vous emmène avec moi et puis on va papoter un petit peu. J'ai des livres à vous montrer. Je vais vous montrer un petit peu ce que je fais en ce moment. Et puis aujourd'hui, j'ai envie d'aller balader aussi, d'aller manger, prendre ma petite salade et puis aller balader avec le chien dans une forêt que j'aime beaucoup. Avant qu'il fasse trop trop chaud, parce qu'après on pourra plus faire ça la journée. Et c'est une forêt vraiment magique où la dernière fois j'ai cueilli mon sureau. Et je voulais vous montrer ça. Et puis comme ça on va se poser, puisque demain je repars 5 jours à Nice. Donc comme ça j'emmagasine un peu la campagne avant de repartir dans la grande ville. Et voilà, bah on se dit à plus, je vais boire mon café, j'en ai bien besoin. Et puis on se dit à toutes. Je vous montre la banane que j'ai cousue ce week-end. Le chien il est à fond parce qu'en fait dedans j'ai mis des petites clochettes, des cloches. Parce qu'en fait c'est la balade quand je pars le matin avec le chien. Et du coup, vous voyez, vous entendez? Et du coup il est à fond, il croit qu'on part. Bon bref, j'ai cousu ça ce week-end. Par contre comme vous voyez il y a un petit souci de hanse et de forme. Parce qu'en fait mon fils il a tiré dessus, il m'a dit je veux la même. Et du coup j'ai la hanse qui est partie, donc il faut que je la recouse ce matin, je vais faire ça. Ouh, ça se prend dans mes boucles d'oreilles. Ce matin, je vais faire ça. Je vais recoudre la hanse. Et je l'aime énormément. Elle est vraiment hyper sympa. J'ai fait le tutoriel de Mondial Tissu. Gratuit. C'est un tissu que j'avais Liberty. J'avais acheté les étiquettes comme ça. Je vais vous montrer de Snaply. La mercerie Snaply, j'adore. C'est superbe. Avec la fermeture dorée comme ça. Et le petit mousqueton doré. Je vous expliquerai plus pendant le podcast. Mais en tout cas, je l'aime trop, trop depuis que je l'ai cousu quand c'était vendredi dernier. Je la mets tout le temps, tout le temps. On est allé au ciné, même je l'ai prise. Même mon chéri m'a dit qu'elle était trop belle. Donc, c'est bon. C'est validé. Mon fils, il veut absolument la même. Donc, je vais lui choisir un petit tissu, je vais lui faire. Et ça, c'est vraiment un cadeau que je vais pouvoir faire. Donc, je suis trop, trop contente. Vous entendez le chien, non mais regardez-le. Oui. Oui, c'est bien. Là, il s'assoit parce qu'il sait qu'on va partir. Hein, mon toutou? Enfin, on est parti déjà. Mais là, il se dit, oh, elle a la banane. C'est bizarre, on est déjà sorti. C'est étrange. Et du coup, bon, elle n'est pas assez grande à mon goût. Je la referai un peu plus grande. J'ai mis donc les friandises du chien parce que je le dresse en ce moment comme il faut. Je suis obligée. La petite, c'est un jouet à mon fils. Je vais vous montrer qui fait des bruits, qui fait du bruit. Et je voulais mettre mon sécateur quand je pars en balade pour me faire vraiment une banane de cueillette en fait. Pour avoir tout si je veux cueillir et même un petit sac en plus, mais c'est un petit peu limite. Donc je vais revoir ça. Et je suis trop contente aussi, cette robe en fait, c'était une robe que je pouvais plus mettre, enfin que j'avais jamais mis parce qu'elle était trop décolletée. Et je l'aime énormément, c'était une robe que j'avais achetée... dans une petite boutique au village, je l'aime trop. Et en fait, elle était trop décolletée et du coup, j'ai fait un petit point ici pour la remonter maintenant que je sais coudre. Et du coup, je peux la porter quoi. Donc, je suis trop trop contente. Elle a quand même un petit trou encore ici,
un espace main, donc je vais peut-être faire un petit point à la main. Mais je l'aime vraiment beaucoup. Ça, c'est typiquement une robe que j'adore porter, resserrée à la taille. Avec, d'ailleurs, c'est des fronces, donc c'est hyper élastique. J'adore décolleté, mais pas trop. Le petit détail cucu qu'on aime. Le grand jupon. Moi, j'aime beaucoup les robes longues. Comme je suis très grande, du coup, ça, j'aime bien. Les petits boutons, voilà, est superbe. Qu'est-ce que je l'aime. En plus, dans ma période bleue, donc je suis trop trop contente de l'avoir ressortie. Je la mets tout le temps. En plus, je la mets maintenant, comme elle a les manches trois quarts, je pourrais plus la mettre après, il fera trop chaud. Donc j'en profite à fond. Et en plus, banane bleue assortie. Donc, wouhou! Ça, c'est cool. Donc maintenant, on va partir à l'atelier et je vais vous montrer un peu tout ce que je fais en ce moment. Allez, à toute. Voilà, là, c'est mon installation bonheur du matin. Je vais prendre le temps de faire un petit peu de point de croix ce matin. J'aime beaucoup ce moment du matin où la lumière elle est si douce dans l'atelier. En général, j'ai mon premier café du matin. Et bon, là, c'est mon deuxième, mais il y a des jours comme ça. Et du coup, je vais faire quelques croix sur ce point de croix que j'arrive pas à lâcher, vraiment. Je l'ai commencé il y a quelques semaines et je l'aime beaucoup, beaucoup. Je vous en reparlerai dans mon podcast, mais c'est le AL motif de Liz Matthews. J'aime énormément les couleurs. Je suis vraiment dans ma période bleue, donc ça tombe parfaitement. J'avais monté ce projet. Bon, là, c'est le bazar, hein. C'est nature avec les jouets de mon fils. J'avais mis ce projet dans cette magnifique pochette d'Aline de l'Atelier des Bois. Elle m'avait offert cette pochette l'année dernière pour partir en séjour chez mon amie Marie de Au cœur du foyer. Je suis partie la semaine dernière quelques jours et c'était un pur moment de bonheur. Je te fais des bisous, Marie, si tu passes par là. On a fait de la broderie, du crochet, du tricot. C'était juste trop, trop, trop cool. Et du coup, j'ai pas mal avancé ce petit projet. J'en ai même fait la journée. Mais en ce moment, je vous dirais, même des fois, je brode le soir tellement je l'aime. J'aime beaucoup le fait qu'il soit géométrique comme ça, très primitif. En plus, il y a des petits symboles. J'avais pas vu, il y a un 8. Et moi, j'ai vraiment un rapport particulier avec ce chiffre. Donc là, il y a 8 branches aussi. Donc c'est une très très belle découverte. Et en plus maintenant, grâce à Julia de Rose Cocon, je brode avec Pattern Keeper. Ça m'a changé la vie. C'est un logiciel qui est payant. Il est payé en une fois. Je crois qu'il est à 7 euros. Et en fait, on installe les grilles à l'intérieur, ce qui permet de suivre en fait vraiment bien le point de croix. En fait, on rentre les couleurs de la grille. Ça nous permet voilà, d'avancer comme ça. Et là, je suis où par exemple? Je suis dans les ronds. Voilà. Là, j'en suis là. Donc, je vais faire un focus sur ça. Et vraiment, visuellement, ça m'aide beaucoup. Ça m'aide beaucoup à voir combien il y a. Et vraiment, avec ça, je me trompe pas du tout, quoi. Pas du tout, du tout. J'avance. Si je change de couleur, vous voyez là, ces petits ronds. Hop. Je change, voilà, c'est vraiment hyper agréable. Si l'on veut, on peut aussi avancer, on peut mettre notre avancée si c'est une grille plus complexe. Je trouve qu'il est vraiment très très bien ce logiciel, je vous le conseille. Allez voir la vidéo de Julia à ce sujet, elle a fait une vidéo et c'est elle qui m'a convaincue sur ça. J'aime vraiment énormément ce logiciel. Donc voilà mon installation. En général, j'ai mon point de croix, ma tablette avec ça. Et je me regarde une petite vidéo, donc il faut que je me rajoute maintenant un petit ordinateur. J'ai mon ordi. Voilà, sur mon téléphone, j'écoute un podcast, une vidéo, et comme ça, je brode ou de la musique et j'aime trop trop. Donc c'est parti, je vais continuer quelques croix ce matin.
Allez, j'attaque la couture, je vous montre, c'est un magnifique tissu. Donc toujours de mon stock, en fait c'était un. J'avais un drap housse en 140 et un drap tout simple aussi en 140. Du coup, il me fallait pour cette robe. Mon chien. Il me fallait pour cette robe 3 mètres de tissu quand même sur 140 mètres, 140 de l'aise. Du coup, j'ai dû couper une partie dans le drap housse et une partie dans le drap. Et c'est pas grave, le reste, de toute façon, je vais l'utiliser. J'aime tellement. Pour me faire peut-être une banane aussi. Et des accessoires, des chouchous. Je trouve ça trop beau le jaune avec les roses. Donc c'est parti, j'ai mon petit tuto. Le chien la bloque. C'est une vidéo de Closer Look. C'est une des premières vidéos que j'ai trouvées. Et ça a l'air très clair. Donc c'est parti! Bon, j'ai déjà fait mes petits ourlets, j'ai fait ma parementure de devant. En fait, l'idée sur cette robe, c'était reproduire une robe que j'adore, une de mes robes préférées, c'est Portefeuille. Donc, c'est tout simple, elle est décolletée, elle a des manches courtes mais un petit peu bouffantes, avec surtout une petite ceinture resserrée, avec une fente en bas. Donc, celle-là, elle n'aura pas de fente, je crois, mais voilà, je trouve que c'est vraiment intemporel comme genre de robe pour l'été. Et ça me manque un petit peu puisque j'ai sorti, ça y est, ma capsule d'été. Vous savez que je fais mes capsules par saison. Je vous montrerai tout à l'heure, on est dans une team bleu-rouge. Et c'est fou comme j'aime les rayures bleues. J'ai eu vraiment un déclic l'autre jour quand j'ai sorti ma capsule. Ça m'a fait rigoler. Et donc celle-là, en fait, j'ai vu que c'était une robe très très simple à faire. J'ai pas acheté de patron. Et je suis cette vidéo, écoutez, qui m'a l'air. C'est très clair, efficace, concis. Comme j'aime, je repasse plusieurs fois les séquences pour ne pas me tromper en droit, en vert et voilà. Et puis ce tissu, je pense que ce sera très joli quand même. Donc voilà, j'essaie de m'arrêter, j'aimerais continuer en fait. J'aimerais continuer jusqu'au bout, là j'aimerais trop voir le résultat. Mais en couture, j'essaie de stopper et de faire vraiment par étapes parce que sinon je peux vraiment bâcler et puis j'ai pas envie de bloquer une journée pour ça. Donc j'arrête, vous voyez, j'ai fait, je sais pas, une demi-heure, trois quarts d'heure. Maintenant, je vais faire autre chose, il faut que j'étende ma machine. J'aimerais faire ma lessive aussi maison. Et après, on va partir avec mon chien en forêt. Et je vais prendre ma petite salade et ça va être trop cool, je vous emmène avec moi. À toutes! Bon, c'est pas hyper bien rangé, j'ai quand même laissé deux jeans. Ça, c'est ma capsule hein, de l'été. Ça, c'est des jupes, donc il y a beaucoup de bleu, du rouge, combinaison. Il y a, ça, c'est des petits hauts d'été que j'aime. Et là, c'est le tiroir robe. Donc, je me suis rendu compte aussi, oula, que j'avais beaucoup de dentelles blanches. D'ailleurs, il faut que je les réunisse pour les ranger. Beaucoup de rayures, de bleu et un peu de rose. Voilà. C'est vraiment les couleurs que j'aime porter l'été, finalement. Donc, voilà, ça me manque un petit peu des imprimés. Ça, c'est une de mes robes préférées aussi. Finalement, le bleu me va pas trop, mais j'en porte quand même, je me rends compte. Ça, ce genre de couleur, l'été, corail, j'aime énormément porter ça. Et voilà, là, c'est les maillots. Maillot pyjama, robe. Robe. Et petit pantalon, petite jupe et petit haut. Les hauts en crochet, comme ça, je les ai ressortis. Et j'aimerais vraiment m'en faire plus. Enfin, plus. J'en ai deux que je mets tout le temps, en fait. Celui-là, je l'avais fait l'année dernière. Je l'aime énormément. Je l'ai beaucoup, beaucoup porté. C'est vraiment, je me rends compte que cette année, j'ai envie de faire plus de. Je vais pas du tout tricoter de top d'été cette année. J'ai pas du tout envie, en fait, pendant que je couds. Je vois pas trop l'intérêt. Finalement, c'est un peu double emploi. Il est à l'envers derrière, là. Par contre, le crochet, je trouve que c'est hyper beau, quoi. Celui-là, il est vraiment très sympa. J'ai celui-là et j'ai lui aussi. J'essaie de vous montrer d'une main. Celui-là, je l'ai beaucoup porté aussi. Finalement, j'ai deux beiges, en fait. N'importe quoi. C'est un haut en crochet comme ça. C'était ça, c'est un patron drops, le Hawaiian Breeze, je me souviens, hyper beau. Et ça,
C'est le patron qui était dans le livre de Lulu Loves Crochet, qui est super sympa, mais il faut mettre une petite brassière dessous. Celui-là aussi, je mets un petit soutien-gorge, un petit brassière dessous beige, et ça marche très très bien. Ouais. Donc en crochet, je m'en ferai peut-être un d'une autre couleur, ce serait joli. Peut-être dans les bleus, on verra. Allez. Première cerise de l'année. Top. On vient de se poser là, c'est tellement beau, en pleine forêt. Et je sais pas si vous le saviez, je pensais à ça dans le Var, en fait c'est la région de France où il y a le plus de végétaux différents. Et c'est vrai que en fait, il y a tellement de paysages différents, les montagnes, à côté des mers, les plaines, que rapidement, même si c'est une petite région, on se retrouve d'un paysage à un autre. C'est juste super. Donc là j'ai mangé ma petite salade. En plus, on croise personne, c'est juste leur rêve, il n'y a personne. C'est magnifique, quoi. J'ai vu l'ortie en venant. C'était pas prévu que je l'accueille, mais je vais en prendre un petit peu. Peut-être faire une tarte salée à l'ortie ou même la faire sécher pour les tisanes. J'avais pas prévu. Vous voyez, il faut que je mette des gants dans ma banane de cueillette. Ça, c'est la base. Allez, je vais manger. Je vais vous montrer ma maison de rêve. C'est celle-là. Dès que je passe devant, j'hallucine. En fait, c'est une bâtisse énorme. Ce que j'aime, c'est qu'elle est vraiment entourée de forêt où il n'y a personne, mais à la fois c'est quand même dégagé devant et ça fait très à la fois, je sais pas, ça me fait penser à Blanche-Neige, mais en mode version masse de Provençal. Et ouais, il y a le petit potager en bas, il y a la forêt environnante, l'eau, c'est juste magnifique. En plus, elle est super belle, il y a des grands pots provençaux avec des fleurs et une arcade. Lorsqu'on rentre, il y a une grande arcade fleurie. C'est juste trop beau.
Ça y est, on se pose un petit peu. Il fait hyper chaud dehors. Mon chien, il est KO, KO, KO. Et du coup, je me suis fait un petit café glacé. Le premier de la saison. Et là, franchement, dans la maison, il fait super frais. Donc, oh, le bonheur. Vraiment, j'ouvre plus les fenêtres là. Parce que là, il fait 32 degrés hein, aujourd'hui. Alors, du coup, je suis trop contente parce que vous m'avez conseillé des livres sur Instagram. J'avais plus rien à lire du tout, plus de romans. Le dernier roman que j'ai lu, c'était le livre sur les jardins. Souvenez-vous, j'en ai parlé peut-être dans mon podcast sur le jardin anglais et je l'ai terminé. Mince, comment il s'appelle le titre? Oh, je me souviens plus. N'importe quoi. Et finalement, j'étais emballée au début, mais à la fin, ça s'est un petit peu effiloché. Ça n'a pas été un immense coup de cœur tant que ça, finalement. Même si l'idée était très prometteuse. Par contre, donc, je vous ai demandé sur Instagram si vous aviez des romans à me conseiller. Donc vraiment dans mon style, donc cucu, campagne, cottage core. Et du coup, j'ai plein de suggestions. Donc je vois que vous aimez autant lire que moi, ça fait grave plaisir. Et j'ai acheté donc 4 de ces livres sur Vinted. Et je les ai tous reçus. Donc je vais vous dire ça tout de suite. Donc j'ai eu dans le lot, j'ai eu beaucoup de La Petite Maison dans la Prairie. Et figurez-vous que j'ai jamais lu La Petite Maison dans la Prairie. Sincèrement, il faudrait que je m'y attelle. J'ai même envie d'en regarder la série, parce que je la regardais quand j'étais petite. J'ai bien envie de me la reprendre depuis le début. Donc note à moi-même. J'ai eu aussi Little Women que j'ai jamais lu non plus. Donc ça pareil. Quand je suis allée chez Marie, elle a des tonnes de livres. Coucou Marie. Et voilà, oh j'étais tentée de lire tout ça, mais je ne pouvais pas en quelques jours, bien évidemment. Mais je les achèterai, c'est sûr. Vous m'avez conseillé aussi le je sais plus le titre, les histoires du renard, là, que j'ai lu. J'ai pas lu le 2, par contre, la deuxième histoire, je ne l'ai pas lu. Donc ça, je le lirai aussi. Et vous m'avez conseillé Une année à la campagne, je crois, que j'ai commencé à lire chez Marie, qui est juste trop, trop bien. Et du coup, je l'ai laissé là-bas, je l'achèterai ou on verra, me l'enverra. Il est vraiment super ce livre, il est vraiment bien. En plus, la photo, c'est une petite maison. En fait, c'est une dame qui est partie vivre seule en autonomie dans la grande forêt aux États-Unis, je crois, ou au Canada, je ne sais plus. Et en fait, elle élève des abeilles, elle fait du miel. Et vraiment, j'aime beaucoup sa plume. D'ailleurs, la préface de ce livre, Une année à la campagne, c'est Jean-Marie, c'est ça, le Clésio. Ça m'a rappelé des souvenirs d'école, puisque le Clésio, c'est un niçois. Donc, c'était marrant. Bref, c'est lui qui a fait la préface de ce livre. Incroyable. Vraiment bien. Alors, du coup, vous m'avez conseillé... Ouais, y a 2 personnes qui m'ont conseillé celui-là. C'est La Charmante Librairie des Jours Heureux. Celui-là, je l'avais vu passer plusieurs fois hein, sur les réseaux. De Jenny Colgan. J'essaie de vous mettre à l'endroit, ça m'énerve, là. C'est les couvertures. Je vous ferai un focus, peut-être. C'est Marie qui m'a conseillé ça. Et les infusettes. Donc, j'ai hâte de lire ça. Lorsque la bibliothèque de quartier où elle travaille ferme ses portes, la timide Nina se retrouve sur le carreau. Austérité budgétaire, ont-ils tranché là-haut? On regroupe tout en centre-ville, avec zone multimédia et pôle d'activité. Tout l'inverse de sa vocation, en somme, qui est d'aimer les livres et les conseiller. Alors, pour la première fois, en 29 années d'existence, Nina prend une décision, tout plaquer. Acheter un gros van muni d'un stock de vieux bouquins, conduire sa propre librairie itinérante. Direction les Highlands, où l'attendent peut-être les jours heureux. L'Écosse, c'est mon rêve d'aller en Écosse depuis tant d'années. Donc, vous me connaissez bien, parce que ce que vous m'avez conseillé, sincèrement, c'est tout ce que j'aime, quoi. La campagne, partir à l'aventure. Il y a l'Écosse, donc, qui est ressorti, donc, celui-là, génial. Donc, celui-là, j'ai trop hâte de le lire. En plus, ça me paraît des lectures d'été, en fait, parfaites, ce que vous m'avez conseillé. J'ai celui-là qui est ressorti 2 fois, ou une fois. Non, une fois. C'est Lucille qui m'a conseillé ça. Le Charmant Cottage d'Amélia. Je l'avais vu déjà aussi, celui-là. De Abby Clements. J'ai tout acheté sur Vinted. Je sais plus si je vous ai dit les 4 livres pour, je sais pas, une 15aine d'euros, je pense, à différents vendeurs. Et ça a l'air top aussi. Lorsqu'elle était étudiante, Amélia a établi une liste de rêves à accomplir. 10 ans plus tard, devenue professeure de lettres, la jeune femme vit avec son mari dans un appartement minuscule de Londres et étouffe à petit feu. C'est alors qu'elle redécouvre sa liste. Parmi les souhaits, elle a noté « vivre à la campagne ». Le Kent,
ses toits de chaume, son calme et l'espace à perte de vue, Amélia se met à rêver d'un charmant cottage. À la veille de ses 30 ans, elle décide qu'il n'est pas trop tard pour se lancer dans une nouvelle aventure. Bon, ça, c'est tout moi, c'est bon, vous m'avez vraiment cernée, la fille qui part, qui plaque tout, qui vient vivre à la campagne. Trop bien. En plus, j'adore le dessin. Bah, alors, franchement, moi, dès qu'il y a une maison, c'est vendu à 50% sur la couverture. Je vous le dis. Alors, celui-là, il m'a trop interpellée. Regardez-moi ce pavé. Je pensais pas qu'il était aussi gros. Alors là, on n'est plus en Écosse, on est en Irlande, je crois, hein, parce qu'il y a les trèfles. On va regarder ça. Oui, l'Irlande. On va lire le résumé ensemble, je ne l'ai pas encore lu. C'est Ellie qui m'a conseillé ça. Donc, merci beaucoup, Ellie. Ça m'a beaucoup interpellée. Donc, c'est Nora Roberts, Les Trois Sœurs. Ça m'a intégrale. Ça m'a trop plu. Je ne connais pas du tout. Comté de Clare, dans l'ouest de l'Irlande. Dans la famille Concannon, tout oppose les deux sœurs Maggie et Brianna, comme dans Outlander. Si l'une, plutôt rebelle, exerce son métier de maître verrier avec passion, la seconde, d'une douceur exemplaire, est propriétaire d'un chaleureux bed and breakfast. Quant à Shannon, leur demi-sœur, tout droit venue de New York en quête de ses racines, son cœur insoumis ne demande qu'à être apprivoisé. Jusqu'à présent, la vie ne leur a pas été des plus faciles, mais le destin semble leur réserver de belles surprises. Trouveront-elles le bonheur et l'amour au cœur de cette fabuleuse Irlande, terre de mille et une promesses? Oh, c'est juste génial. Nora Roberts s'est imposée comme un véritable phénomène éditorial mondial avec près de 150 romans publiés, traduits dans 25 langues. Donc ce livre contient Maggie la rebelle, 12 Brianna et Shannon apprivoisée. Super, j'ai trop hâte. Franchement, celui-là, j'ai trop envie de le lire, je crois. Oh, je pense que je vais le lire en premier, j'hésite. Il a l'air vachement... Il a l'air de se passer plein de choses, un cucu, c'est tout ce que j'aime. Oui, c'est bien. Donc franchement, merci beaucoup, ça a l'air trop bien. Et après, j'ai un quatrième roman que l'on m'a conseillé et j'ai pas retrouvé qui c'est parce que j'avais fait un screen, mais ça doit être dans mes MP. Donc si tu passes par là, dis-moi si, qui c'est. En fait, je me souviens plus qui c'est, je suis désolée qui m'a conseillé ce livre. C'est Agnès Ledigue, Se le dire enfin. Des couleurs, c'est marrant, les quatre lits sont dans les mêmes couleurs. De retour de vacances sur le parvis d'une gare, Edouard laisse derrière lui sa femme et sa valise. Un départ sans même préméditation. Une vieille romancière anglaise en est le déclic, la forêt de Brocéliande, le refuge. Là, dans une chambre d'hôte environnée d'arbres centenaires, il va rencontrer Gaël la Douce, son fils Gauvin, enfermé dans le silence d'un terrible secret, Raymond et ses maux anciens. Adèle, jeune femme aussi mystérieuse qu'une légende, et Platon, un chat philosophe. Qui sont ces êtres curieux et attachants? Et lui, qui est-il vraiment? S'il cherche dans cette nature puissante les raisons de son départ, il va surtout y retrouver sa raison d'être. Émotion, gentillesse, amour, bienveillance, autant de petits plaisirs qui caractérisent si bien l'autrice et qu'on retrouve dans ce dernier roman. Eh bien écoutez, c'est parfait, c'est tout ce que j'aime, c'est vert, campagne, aventure, cucu romantisme. Là, vous avez mis la barre très haut, donc je vous remercie. Et à mon tour, tout à l'heure, je vous dirai peut-être un livre ou deux que je vous conseille pour cet été. Je viens d'y penser maintenant. Je réfléchis. Ah oui, un que j'adore lire toujours en été et à la veille de l'été en juin, c'est Les Dames du Lac. Vous le connaissez sûrement, c'est l'histoire de la table ronde, des femmes en fait autour de la table ronde. Et c'est hyper bien. Donc j'ai plusieurs tomes de cette saga. Et j'aime beaucoup, beaucoup, quoi. Voilà, Les Dames du Lac. L'auteur, je sais même plus. N'importe quoi. Je vous le montrerai après. J'aime beaucoup, beaucoup. Et donc voilà, niveau lecture, c'est bon. Donc franchement, dites-moi lequel je commence, par lequel je commence. Je sais pas. J'ai de quoi lire. Hein. Waouh, trop cool. Oh, c'est trop bien. Merci infiniment. Franchement... Je vous demanderai plus souvent des livres. J'étais hyper contente. Alors maintenant, on va regarder un petit peu ce que je fais. Hein. Sans transition, j'ai pris mon petit panier. Trop bon. Et d'ailleurs, je me suis acheté un panier bleu encore pour rester dans le thème. Enfin, un bleu, c'est pas le bleu que j'aime. C'était chez mes beaux-parents et ils vendent des paniers. Et celui-là, je l'ai trouvé mignon. Il est chouette. Et du coup, je l'ai pris pour partir chez Marie. Et je l'ai gardé avec tous mes bric-à-brac. En fait, c'est hyper pratique, des grands paniers dans la maison, j'adore. Donc, je suis en train de faire plusieurs choses, je vais vous montrer ça. En tricot, j'ai commencé
une couverture. Bon, je vous montrerai plus pendant le podcast, mais c'est une couverture pour le... Alors, Julie, tu coupes si tu passes par là, tout de suite. Pour le bébé d'une très chère amie à moi, qui normalement ne regarde pas mes vidéos. J'ai commencé à faire cette couverture-là, qui est tirée de ce livre, toujours 9 mois pour tricoter les indispensables de bébé. Et je suis ravie, en fait, c'est une grande... Je suis en plein milieu de rang, là. Donc, elle est... ça, c'est comme ça, voilà. Hop. Et en fait, c'est un bébé d'automne hein, qui va naître en septembre. Donc, voilà, elle avait très envie de ces couleurs-là. Avec ça, je vais la doubler avec un tissu qu'elle a choisi de Acufactum. C'est des animaux de la forêt, un peu dans les verts marrons, qui est magnifique. J'ai fait une commande chez Deux Mères en Fille il y a quelques semaines. Donc, elle monte très, très vite. C'est en aiguille 5. Donc, je suis très contente. Je tricote ça le soir, j'aime bien. Devant The Voice, par exemple. Et je suis en train de faire aussi des chaussettes. Donc, j'en ai profité pour aller chez Marie pour quand même, parce qu'elle tricote super bien aussi. C'est comme Nathalie, là, je suis entourée de filles prodigieuses au niveau tricot. Et donc, du coup, j'ai défait 3 fois, je crois, la chaussette chez Marie encore pour arriver sur la bonne formule. Ça y est, enfin, je crois que c'est bon. Donc, je suis en 2,25. J'ai monté ma pointe à 56 mailles. Donc, c'est quand même petit, parce que j'avais fait 72, j'avais fait 64. Maintenant, je fais 56 mailles sur double pointe en 2,25. Et donc là, c'est des chaussettes toutes simples, hein, qui partent du pointe vers le haut. Et donc, c'est cette pelote, vous l'avez vue plusieurs fois, je crois. Une pelote de chez Drops, la Fabelle. Donc, j'ai presque fini, j'ai fait le talon en rang raccourci. Et là, je monte. Et ça me paraît, même Marie, elle m'a dit, c'est bien. Donc écoutez, je pense qu'on est, bon si elle dit c'est bien. On va voir Nat ce que tu dis quand je viens à Nice. Donc ça, je vais monter, je vais finir celle-là et puis je vais faire ma deuxième chaussette. Et ensuite, j'attaquerai d'autres choses. J'ai acheté une autre laine à chaussettes d'ailleurs chez Marie qui est trop jolie. Je vous montrerai ça. Et j'ai commencé hier aussi un petit essuie-main en crochet sur un coup de tête. Parce que j'ai pas mal de coton en fait qui me reste de ma couverture granit que je viens de terminer. Et donc j'ai beaucoup de coton comme ça en 8-8. J'avais envie de me faire une manique et en fait je me suis dit bah, je vais me faire un petit essuie-main. Donc je vais m'en faire plusieurs je pense pour cet été, j'aimerais bien. Ça monte super vite en plus. Donc je fais tout simplement un rectangle en fait en maille serrée. Hein. Donc je suis en train de monter ça. C'est joli, ça fait plaisir. Comme je suis à fond sur le bleu, ça me fait tellement plaisir. Du coup, voilà, je vais prendre tout ça pour Nice. Bon, je pars que 3 jours, mais... enfin, 5, 4 jours. Mais j'ai de quoi tricoter et crocheter, on ne sait jamais. Hein. Donc, voilà, ça, c'est mes projets du moment. Et puis, voilà, après, on détaillera tout ça. On détaillera tout ça pendant le podcast. Je compte vous faire mon podcast plus tôt, cette fois-ci, puisqu'après cet été, je suis... pas beaucoup là, je travaille encore beaucoup cet été, c'est le dernier été où je vais encore bosser comme ça, mais comme ça, comme je pourrais pas vous filmer, je vais essayer de faire le podcast là dans pas longtemps, et après un avant de partir en juillet, voilà. Donc sur ce, je vais boire mon petit café, je vais faire un petit peu, quelques rangs de crochet, j'ai envie, et je vais me regarder un petit podcast, j'ai vu que la fille au renard, elle avait sorti un podcast, donc je vais me regarder ça tranquillou, c'est ma petite pause là. Et après, j'ai tout l'aspirateur à faire puisqu'on est mardi. Et en plus, je suis crevée là, la balade, elle m'a fatiguée un peu. Je suis un peu fatiguée avec la chaleur. Mais ouais, il faut que je fasse mon aspirateur puisque demain, c'est mercredi. Et voilà, après, je vais partir. Donc, bon. La semaine dernière, c'était la zone de la chambre de mon frère. De mon fils. Et on a tout trié sa chambre de folie. On a fait un super boulot. On a enlevé tous ces jouets vraiment de qui se servaient plus bébé, on les a mis en bas à la cave, on a tout rangé, tout retrié. Du coup, il a fait que jouer quand il pleuvait, c'était super. Il a ressorti tous ses Playmobil, c'était nickel. Donc là, cette semaine, je suis dans mon petit atelier, c'est ma zone atelier, et j'ai pas du tout envie là, vous voyez, aujourd'hui de faire ça. Donc voilà, des fois, il faut s'écouter. Hein. D'ailleurs, j'ai trouvé une chaîne sur ce sujet qui parle de la méthode Flyer Lady, c'est ça? Je vous mettrai la chaîne en bas, c'est super sympa si vous voulez vous motiver sur les zones, le désencombrement, le ménage, tout ça. C'est vachement sympa ce qu'elle fait, je vous mettrai cette chaîne en bas en cas, si j'y pense, faut que j'y pense.
Allez, à toute. Je viens d'enregistrer une musique que je voulais faire à la guitare. Enfin, je voulais faire des musiques instrumentales parce que les droits d'auteur, en fait, ils m'enlèvent tous les droits d'auteur sur les vidéos quand je chante. Et ils m'ont envoyé un mail YouTube comme quoi ils risquaient d'effacer des vidéos. Donc, on va éviter ça et je vais plus chanter sur les vidéos malheureusement. Et en fait, celle-là, je sais pas s'ils vont me la. Celle-là, ils vont. On va voir sur ce vlog ce qu'ils disent, YouTube. Mais c'est une musique irlandaise que j'ai connue grâce à Pauline, si tu passes par là, de Mystic et Fibre. Elle met souvent cette chanson sur ses vidéos. Et j'adore, dès qu'elle met cette chanson, je suis au taquet. Et je me suis dit, bon, ben, je crois que c'est à la. À quel instrument c'est? Au violon. Et en fait, je l'ai trouvé à la guitare et j'adore, je vais la mettre souvent dans mes vidéos. Border Collie, c'est un chien. Il est pas irlandais, mais écossais. Il se dit, mais ça va pas te chanter une chanson irlandaise sur mes terres. Mais t'as craqué, maman. Allez, je retourne à mon aspirateur. En tout cas, je suis contente. C'est cool de faire des petites musiques instrumentales. Vous me direz ce que vous en pensez. On est de retour en cuisine. Du coup, on rentre de l'école. Je vais faire cuire mes orties de ce matin. Je vais les faire ébouillanter avec du vinaigre et puis après je les ferai revenir dans la poêle avec un peu de beurre et peut-être un peu d'ail et comme ça je les intégrerai dans une quiche. Je vais la faire ce matin, ce soir comme ça je suis tranquille pour demain, ce sera le repas de midi de demain. Et pour ce soir je vais, ça, c'est un repas que je fais souvent en ce moment, c'est la bolognaise en fait à la mijoteuse. Ben, voilà ici, voilà. En fait j'ai toujours au congèle de à peu près 250 grammes de viande hachée comme ça, surgelée, comme ça je les mets à la mijoteuse pendant 2 heures avec du sucre, du sel, des herbes et des oignons, des petits oignons et un peu d'ail. Et comme ça, ça nous fait vraiment une sauce incroyable pour faire les pâtes après, pour faire des super pâtes bolo. Mon fils, il adore. Et vous pouvez aussi faire une version végétarienne en mettant du tofu rosso. Ça marche très très bien aussi. Vraiment, depuis que j'ai découvert la bolo comme ça, les sauces à la mijoteuse, j'en fais beaucoup, beaucoup. Voilà, c'est vraiment excellent, quoi. J'ai vraiment eu les meilleurs compliments de sauce avec la mijoteuse. Donc, 2 heures à haute intensité. Et voilà, c'est parti, cuisine.
On se retrouve à l'atelier après une journée bien remplie. On est la fin d'après-midi. J'ai fait la cuisine, mon ménage. J'ai encore un petit peu de repassage à faire, mon petit repassage. Et j'ai avancé ma robe un peu tout à l'heure avant d'aller chercher mon fils. Donc j'ai fait... j'ai assemblé en fait le dos aux deux devants. Je vais vous montrer ça plus convenablement. J'ai même déjà assemblé une manche. Hop. Voilà, ça va être... Je pense que ça va être trop beau en fait. J'espère. Donc du coup, par contre, comme j'ai pas de surjeteuse, j'assemble tout là au point endroit. Endroit contre endroit. Et à l'intérieur, je ferai des points zigzags pour surfiler. Pour pas qu'il y ait de tissu qui parte. Parce que j'ai pas de surjeteuse. Voilà, les manches, ça va être super sympa. Et donc il y a le dos avec les deux pans devant. Là vous voyez pas bien, mais j'adore la couleur. Je sais pas si ça me va le jaune. Non, je pense que oui. J'en mets jamais en fait. Ça va vraiment me changer. Et donc franchement, celle-là, demain je l'aurai finie. Je pense que vous la verrez lors de mon podcast. Ou sur Instagram, si vous me suivez sur Instagram. Et puis voilà, vous voyez, le bazar de l'atelier, il y a toujours la maison elle est revenue ici, la maison de Marcelin, on l'a mis ici, c'est trop bien. Et on a mis, en fait, comme il y a un petit plateau qui bouge, du coup, j'ai mis les paniers avec tous les accessoires de la maison. Donc ça, c'est vachement sympa. Souvenez-vous, ce meuble, je l'avais peint dans les Vlogtober, en fait, c'est un meuble télé que j'ai repeint. Et il est parfait pour ça, en fait. Je sais plus ce que je voulais vous montrer d'autre. Je vous montre pas le bazar des tissus, j'ai toujours pas rangé. Donc ça, je m'y attelle la semaine dernière. Et voilà, je vais faire un peu de couture. Après, on va se faire un petit apéro dehors avec mon petit chéri et mon fils. Tous les trois tranquillou. Et puis, on se dit à bientôt. Hein. Je vais achever ce vlog. Peut-être que je ferai des petites images. On verra. J'ai passé une super journée et ça m'a fait trop plaisir de vous parler. Ah oui, je voulais vous montrer le livre. C'est ça que j'ai oublié. Ça doit être ici. Ça m'a fait trop plaisir de vous parler aujourd'hui. Dame du lac. Ah, il est là. Trop bien. J'ai mes livres ici. C'est celui-là. Les brumes d'Avalon. Les brumes d'Avalon. Marion Zimmer Bradley. Les Dames du lac. En fait, c'est une série. C'est très connu. Hein. Il y en a beaucoup. Il y a une série comme ça. Je les ai pas tous lus. Mais ouais, je vous conseillerais ça en lecture de juin. C'est vraiment super si vous trouvez un livre de poche. Et sinon, en cas, je réfléchirai et je vous mettrai. C'est vrai que moi, les romans, je les garde pas. C'est très rare. Je garde surtout les livres où j'apprends des choses. Quoique, je me suis beaucoup séparée de mes livres ces derniers temps sur Vinted. Si ça vous intéresse, d'ailleurs, j'ai pas mal de choses sur Vinted. Allez voir. J'ai même mis un châle au crochet que j'avais fait il y a quelques années. Mais en fait, je me suis rendu compte que je le mettais pas. Donc, en fait, je pense que c'est les couleurs peut-être, je sais pas, je j'arrive pas à le porter, je comprends pas. Donc à un moment donné, je m'en suis séparée. Donc si ça vous intéresse, allez voir ça. C'est co-convert sur Vinted aussi. Je vous dis à très bientôt. Merci d'avoir regardé ce vlog. Et on se dit à bientôt. Bisous.